Ok, coupé!
Avec tous les nuages qu'il y a, ça. Ah voilà, je pensais que j'avais plus jamais travaillé avec elle, et puis voilà. George, c'est comme ça. She's back. Et j'ai remercié les éléments qui t'entourent ici. Oui. Est-ce que tu le dis oui pour me faire plaisir ou non, tu non, le dis... Non, on a l'occasion de venir. Impression Top, mais trop court. trop court. Un téléphone, le réconfort. Tu penses à quoi quand tu fais ça? Tu manges toute ta croûte là. Non. Ça y est, on n'a plus rien. On peut passer au Reiva maintenant. Ben, je disais que ce groupe était vraiment d'une grande patience lorsqu'il s'agissait de faire un documentaire ou un film. Je disais pour terminer qu'il mériterait de faire une grande production comme le Sixième Élément par exemple. J'espère qu'un jour, lorsque Spielberg viendra ici pour faire un film, ben, qu'il fera appel à tous ces éléments, pas forcément le groupe Otaïtier, mais vous avez fait un travail admirable aujourd'hui et vous étiez d'une patience et d'un calme. Vraiment yogiste, c'était des yogistes, très calme, c'est incroyable. Tu ne pouvais même pas sentir, il était impossible de sentir une énergie qui soit une énergie négative. C'était vraiment une énergie positive dans un site bien sûr majestueux et merveilleux. Mais chaque élément, leur énergie se sent, tu vois, cette énergie communautaire où les choses ne font qu'un, qui renforce tout le monde. Et ça fait que dans toute cette préparation, même quand même 4 heures de tournage, sans boire, sans manger, mais c'est du jamais vu, du jamais vu. Enfin voilà, donc ça clôture bien. Et encore merci à ce site merveilleux, merci à cette vallée merveilleuse et merci à Aurora. Et à nos dieux ben, de nous avoir donné un temps clément et j'espère que ce film arrivera au bout comme il se doit. Et je vous souhaite à tous un bon week-end et merci à tous. J'espère que tu vas dire.